heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre ce programme réalisé depuis le studio Maman Angebi de la RTNC, un programme organisé par le CESAC en prévision de l'organisation de la présidentielle prévue en décembre 2023. Justement, nous avons amorcé cette série et aujourd'hui nous recevons pour vous une dame, Joëlle Bilé, candidate à la présidentielle, qui va me rejoindre un peu plus tard sur ce plateau. Mais pour l'instant, c'est pour vous rappeler que c'est l'histoire de la République démocratique du Congo qui est en train d'être écrite. Et pour animer cette émission, je vais me faire accompagner de trois journalistes que j'invite à me rejoindre tout d'abord. J'appelle Rachel Kitita de Actu 30, Jacques Moulouba de RTGA et Thierry Kambondi de Top Congo. Merci de me rejoindre. C'est avec vous que nous allons justement passer près d'une heure et demie pour interroger notre invité qui est déjà dans ce studio. Nous invitons en ce moment Madame Joëlle Bilé à nous rejoindre. C'est elle que vous allez découvrir, mesdames et messieurs. C'est l'une des femmes, je crois qu'il y a deux femmes sur la liste de 26 candidats engagés pour cet exercice démocratique. Merci d'être là, madame. Merci beaucoup. Alors, Joëlle Bilé, à la base, certainement vous connaissez, mais on va renchérir vos connaissances. C'est une journaliste à la base, mais nous apprenons aussi des notes d'information que nous avons obtenues autour de cette candidate. Joëlle Bilé Batali, femme aux multiples casquettes pour ses engagements. Elle est engagée dans l'humanitaire, mais elle est aussi dans le commerce. Joëlle Bilé, vous allez très bien? Parfait, merci beaucoup, et vous-même? À très bien. Une femme aujourd'hui engagée à la présidentielle. Vous n'avez jamais été bourgmestre, chef des rues, et la présidentielle vous attire. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous devez noter que la politique, ce n'est pas uniquement à la tête de l'État qu'on l'a fait. Ça veut simplement dire que j'ai commencé à être dans la politique bien avant que vous ne m'ayez vu aujourd'hui sur ce plateau, devant défendre mon programme et vous parler de pourquoi j'ai candidaté. Très bien, nous allons approfondir les échanges, mais avant de donner la parole à ceux qui sont autour de moi, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que tout se passe autour de cette thématique déjà prédéfinie par les organisateurs de ce plateau. Nous allons parler de la politique nationale, l'administration territoriale et réforme institutionnelle, la justice, les droits humains, la sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale. Nous allons aussi parler des stratégies économiques, le développement industriel, scientifique et culturel pour la RDC, les défis environnementaux et le développement durable. La diplomatie a aussi une place de choix dans cet échange et le rayonnement international de la RDC. Enfin, la promotion de la femme, de la jeunesse et des personnes vulnérables. Jacques Moulouba, vous allez très bien. Très bien. C'est avec vous qu'on commence. Voilà. Madame Bilé, très heureux d'être avec vous sur ce plateau. La première question, c'est en rapport avec la nation congolaise. Notre pays est régi par une constitution et des voix s'élèvent pour dire qu'elle est aujourd'hui tombée caduque, elle doit être révisée. Il y en a même qui ont proposé qu'il faut carrément changer de constitution. Alors, vous allez très bientôt accéder à la magistrature suprême. Quelle est votre vision, quel est votre regard sur la constitution actuelle du pays? Une très bonne question, très pertinente, parce que effectivement la Constitution est donc cet instrument important et juridique qui régit notre République. Élue présidente, j'aurai quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, à retoucher cette Constitution. Parce qu'effectivement, de 2006 à aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'il faut améliorer, il y a énormément des points qu'il faut remettre au goût du jour. Donc, quoi qu'il en soit, comme je vous dis, nous allons retoucher la Constitution. Je suis donc partisane pour que certains amendements importants sur des articles qui touchent à la vie nationale, et donc c'est à ce niveau-là qu'il y aura des amendements qui seront apportés. Mais il faut attendre déjà que je sois présidente. Oui, voilà. Mais si vous pouvez être un peu plus clair, quel article, par exemple, sur quel domaine
Pensez-vous qu'il y a nécessité aujourd'hui de réviser la Constitution? Il y a énormément de points. Il y a quelques exemples. Quelques exemples, oui, mais des questions qui touchent sur la sécurité nationale, par exemple, des questions qui touchent aussi sur la nationalité, de qui est congolais, qui ne l'est pas, des questions qui touchent principalement sur la territoriale. J'ai énormément de points pour lesquels je ne voudrais pas forcément mettre d'emblée de jeu comme ça sur la table, mais sachez que moi, présidente, la Constitution qui est cet instrument qui permet le bon vivre entre Congolais, qui permet justement de faire rayonner davantage l'image et le drapeau du Congo aussi à l'extérieur, mérite que pratiquement, si c'est en 2006 et que nous sommes aujourd'hui en 2023, nous allons vers une magistrature qui va démarrer en 2024. Il y a donc à peu près un gap de presque 20 ans qui nécessite qu'aujourd'hui notre République soit dotée d'instruments beaucoup plus modernes, en tout cas beaucoup plus en phase avec la période que nous vivons. Voilà. Vous avez évoqué la nationalité, cette question est définie dans l'actuelle Constitution. Est-ce que vous pouvez un peu plus être clair? Est-ce que vous allez conserver ce qui est dans la Constitution ou vous comptez bouger cette disposition? Lorsque je vous parle par exemple d'un amendement, la logique voudrait qu'un amendement soit une modification. Donc je ne conserverai pas, j'essaierai d'apporter quelques améliorations. Je vous parle de la question du droit de nationalité, j'estime qu'au regard de tout ce que nous subissons comme assaut extérieur et qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque la double nationalité, plusieurs se sentent menacés en se disant qu'il y a des risques. Alors moi, personnellement, si vous me demandez ce que je pense, je vous dirais que j'accorderai la double nationalité à tout Congolais qui a une autre nationalité que celle de l'espace communautaire environnant. C'est-à-dire tous ceux qui sont par exemple membres de l'EAC ne peuvent pas avoir la double nationalité congolaise parce que nous appartenons déjà à une seule et même communauté. Donc on ne peut pas être tanzanien et être congolais, c'est ce que j'estime. On ne peut pas être congolais et être à la fois soudanais parce que nous appartenons déjà à une même communauté à la fois économique et communauté entre frères africains. Mais par contre, j'estime qu'on peut avoir une nationalité avec un autre marché commun ou un autre une autre CER, donc communauté économique régionale, telle que par exemple un pays du Burkina Faso qui est très éloigné de nous, avec qui on ne risque pas d'avoir d'interaction qui pourrait préjudicier à l'intégrité territoriale ou à la souveraineté de la RDC. Je pense qu'il y a matière à regarder sur cette question, mais c'est un des points, hein. Je ne voudrais pas m'étendre particulièrement là-dessus. Rachel Kitsita. Merci beaucoup, Madame Joëlle Bilé. Que dites-vous des articles, par exemple, verrouillés? Je prends les cas de l'article 220 de la Constitution. Est-ce que, selon vous, si vous êtes élu président de la République, il faudra maintenir cet article ou il faudra le déverrouiller pour à allonger un tout petit peu le mandat du président de la République? L'article 220 est un article qui est très, on va dire, très en phase avec le processus électoral que nous vivons. Je suis d'avis qu'il faut toujours apprendre à mettre du sang neuf. Donc je ne militerai pas pour que l'on change cet article 220, étant donné qu'elle permet de réguler de manière très instantanée, si vous voulez, le mandat d'un chef de l'État. Donc je ne compte pas. De toute manière, lorsque je parle d'amendement, ce n'est pas toute la Constitution qui est à revoir. Il y a des articles spécifiques, je vous les ai énumérés. Pour moi, c'est une question territoriale, c'est une question de sécurité nationale. Il y a la question de nationalité, parce que nous parlons de Congolais. Et bien entendu, il y a d'autres points qu'on va voir. Mais pour moi, les deux mandats sont ceux qu'il faut maintenir avec une durée de 5 ans pour un président de la République. Partons du fait que la Constitution est la loi fondamentale et que tous les citoyens congolais sont astreints à respecter cette loi fondamentale. Dans une vidéo où vous annoncez votre candidature, Joëlle Bilé, vous parlez de la République des valeurs. Alors la question que j'aimerais vous poser, tous les Congolais ont suivi,
Comment parlez-vous de la République des valeurs alors que vous-même candidate, vous n'arrivez même pas à respecter les conditions dans lesquelles vous avez adhéré, notamment à la société civile? Je parle du processus qui a milité pour que vous puissiez vous maintenir comme candidate présidente de la République. Vous avez participé aux primaires de la société civile. On sait tous les résultats qui sont sortis de ces primaires. Mais comment en êtes-vous arrivé à obliger ou à maintenir votre candidature, puisqu'on dit que vous êtes passé outre la règle du jeu? Donc c'est un président qui commence déjà par violer les principes au sein de la société civile et qui de surcroît ne va pas respecter la loi fondamentale. Déjà une dictature à l'entame de votre candidature. J'aime beaucoup votre question parce qu'elle est à la fois percutante, mais elle a tout son sens. Et vous me poussez là à vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais déjà remplie d'ambition et d'engagement pour mon pays. Je suis remplie de velléité pour servir mon pays et je voudrais que mon pays soit réellement cette République des valeurs. J'ai été contactée une semaine à cause justement de mon engagement, une semaine avant les primaires, en me demandant justement de m'associer aux amis candidats présidents en devenir qui allaient concourir avec moi dans cette organisation. Et je peux d'ores et déjà vous dire que nous étions deux femmes et ces deux femmes sont toutes les deux actuellement dans la course à la présidentielle maintenant. Et donc, après avoir fait les deux tours, j'ai compris que c'était plus une forfaiture qu'autre chose. J'ai compris que les puissances étrangères étaient derrière cette organisation. Et j'ai compris surtout qu'il ne m'appartenait pas de mettre à mort mon combat politique, mon envie que j'ai de œuvrer pour que la RDC retrouve des valeurs, retrouve la norme et retrouve le standard d'un pays qui se respecte. Et ça, ça passe par des valeurs nobles. La tricherie n'est pas quelque chose que vous devez soutenir. Il y a eu des élections qui, pour moi, ont été truquées. Pourquoi je le dis? Parce que mon challenger, vous parlez de société civile, mon challenger était président de parti politique. Un parti politique ne peut pas être membre de la société civile. Et société civile, toute personne non engagée, ni dans l'armée et encore moins dans un parti politique. Et c'est ce que je suis. Je suis un pur jus de la société civile. J'œuvre en tant qu'actrice de la société civile. J'étais journaliste au départ. J'ai œuvré dans le secteur privé. Je suis administrateur à la Fédération des entreprises du Congo. J'appartiens à différentes organisations en interne comme en externe, et je ne fais pas de politique. Donc lorsque je me suis retrouvée face à un candidat président de parti politique, mais qui avait dans la salle des électeurs qui ont voté pour lui sur base du nom de la société civile, j'ai dit, je respecte, je laisse faire, mais je ne tue pas mon ambition, je me présente donc moi, non contre lui, non face à lui, je me présente en tant que patriote, en indépendante pour servir mon Congo. Donc j'aimerais, Madame Kishita, que vous ne reveniez plus sur cette question, parce que sur d'autres médias, j'ai déjà dit que cette question des primaires citoyennes est très loin derrière moi, et ça me donne ici l'occasion de dire qu'il faudrait désarmer notre jeunesse. Toutes ces puissances étrangères qui viennent pour financer des mouvements citoyens, qui viennent pour mettre en avant, on va dire d'abord leur intérêt et nous dépouille de notre identité, de notre souveraineté. C'est entre autres contre ces choses que je veux m'insurger. Donc je vous en prie, Madame, de considérer qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a eu de ma part aucun excès de zèle, aucun forfait commis. Je n'ai rien violé dans le sens où je n'ai signé aucun document avec eux. Rien ne m'imposait de rester avec eux. J'ai participé à la loyale, à une activité. Je me suis sentie lésée, je me suis sentie frustrée. Ce que j'ai fait, j'ai respecté leur choix, mais j'ai continué ma route et je pense que vous n'allez pas m'en vouloir pour cela. Merci, Thierry Madame. Cambondi. Madame, rien ne vous imposait non plus de participer à cet exercice. Vous aviez raison. Sachant que votre challenger était à la tête d'un parti politique. Il y avait plusieurs challengers, il y en avait quatre. Enfin, nous étions quatre. Vous vous êtes retrouvés au dernier tour. Mais je l'ai su. En fait, je rappelle, excusez-moi de rappeler, nous sommes sur les thématiques. Il ne faudrait pas qu'on s'écarte beaucoup plus pour permettre à la candidate présidente de nous étaler son projet de société. Je respecte. Je pense que je m'attendais un peu à ce type de questions. J'ai été juste élégante d'accepter de répondre à ces questions et de participer à ce jeu. Mais je trouve de votre part que ce n'est pas fair play que de revenir avec moi en direct sur des questions qui sont
qui n'ont tellement rien à voir avec la République. Prenons de la hauteur. Des questions parlons d'actualité. De notre... Je vous en madame prie, madame. Joël je préfère des questions d'actualité. Des questions d'actualité qui peuvent prie, aussi vous donner la possibilité justement de donner votre position. Je crois que ça vous a permis de vous exprimer. Je l'avais déjà fait sur un des médias et je l'ai fait aussi sur les très notes. Bien, ça c'est mais un plateau spécial. Revient, merci beaucoup j'insiste pour cet honneur. En citant les noms. Merci. Je ne suis pas l'amie de M. Anzuluni que j'ai rencontré 3 jours et peut vous le dire. 3 jours avant les primaires, j'étais d'ailleurs en Europe lorsqu'on m'a appelée, j'ai payé mon billet, j'allais même à une organisation au Burundi. J'ai dit, je veux prendre le temps pour m'arrêter et faire ces primaires avec vous. J'ai eu le temps de prendre l'avion, de me retrouver à Addis Abeba pour apprendre que finalement les primaires avaient lieu pendant que j'étais censée être à Addis Abeba. J'ai pris mon avion, j'ai fait marche arrière. Alors que j'étais déjà à 10, le même jour, j'ai dormi une nuit, merci, j'ai pris madame l'avion, Joël. Je suis revenue pour participer aux primaires parce que je croyais en la loyauté des candidats. Mais lorsque j'ai vu que ça n'a pas marché, je les ai laissés faire. Donc de grâce, ne revenons plus sur ces primaires citoyennes qui pour moi ont été une forfaiture. Mais d'ailleurs, je ne veux plus m'attarder, je me suis présentée devant vous comme une candidate patriote et congolaise qui veut décliner devant vous son programme. Et ce programme n'est pas contre le parti de M. Anzuluni, qui je suppose doit être très proche de vous. Je vous remercie. Pas du tout, madame. Y a-t-il pas une du autre tout. Question pas du tout. Voilà. En fait, nous poursuivons cet échange avec élégance. Nous saluons votre clarté et merci. Franchise, mais nous acceptons aussi que vous compreniez que les journalistes sont là pour vous, je vous ai donné poser des questions. Sur merci, la question. Nous continuons. Oui, Thierry, sur justement, oui, la thématique. Merci pour la remarque, madame. Nous sommes ici en tant que journalistes et non proches d'un quelconque candidat. C'est ce que je vois. Oui, il s'agit juste d'une question d'actualité. C'est ce que je vois. Voilà, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous convainc aujourd'hui, au-delà de ce qui s'est passé, que cette fois, c'est la bonne et que sous ce format, vous êtes la candidate idéale pour les Congolais? Françoise Boué l'a rappelé tout à l'heure dans sa présentation que vous n'avez pas démarré par le bas niveau, vous avez directement tenté de briguer la magistrature suprême. Qu'est-ce qui vous convainc que vous êtes la meilleure candidate des 26? Ce qui me convainc, c'est le programme que j'apporte. C'est l'offre politique que je veux mettre sur la table et je m'en tiens à ce que je sais de mes compatriotes, de mon pays et de tout ce qui environne et touche mon pays. J'estime être celle qui veut ramener le Congo de nos pères fondateurs, être celle qui veut la ramener dans cette dynamique dans laquelle elle a démarré en 1960, c'est-à-dire pleine de valeurs, pleine de fierté, de dignité et surtout ce Congo souverain. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui ne donne pas la place justement à une fierté congolaise. Nous sommes dans un pays qui est dépecé quasiment, en tout cas qui est amputé de quasi toute sa partie est et qui est amputé aussi d'une partie de mon territoire. Je suis issue du Maïndombé. Donc lorsqu'on parle de Kouamout qui ne peut pas justement participer à un acte aussi fondamental que le vote, croyez-moi, que je me sens interpellée, et c'est ce devoir qui m'appelle devant vous. Pourquoi est-ce que je pense que je suis la meilleure? Si je ne le pensais pas, je ne serais pas venue. Mes convictions me poussent à croire que j'ai des choses à apporter à mon peuple, et je voudrais que vous le croyiez aussi, parce que rarement il y a eu de femmes autant engagées que je le suis. Vous ne m'avez vue qu'au niveau de la présidentielle, mais ça fait 20 ans que je travaille à la base. Le nombre de fois que j'ai passé dans les provinces, à aller rencontrer des personnes vulnérables, et partout dans les provinces, j'ai marché dans les forêts du Maniema, qui est un coin dont je ne parle même pas la langue. J'ai traversé ce qu'on peut appeler des ponts, alors qu'il s'agit justement des jetés sur l'eau et qui n'existent pas. J'ai fait des choses pour ce pays qui relève de la politique. Mais malheureusement, les journalistes, vous ne regardez souvent que les ténors et vous ne faites pas attention à ce que réalisent à petit niveau d'autres candidats comme moi. Alors, vous nous donnez l'occasion de mettre les projecteurs sur vous. Vous parlez de votre projet de société. Que prévoit ce projet sur la justice et les droits humains en RDC? Vous me posez une excellente question parce que vous savez que c'est la justice qui élève la nation. Notre appareil judiciaire est à côté du pouvoir exécutif ainsi que le pouvoir législatif, les 3 piliers qui forment justement un État. Et nous sommes tous conscients aujourd'hui que notre justice est malade. Elle est malade de ses hommes, donc les magistrats, donc ceux qui travaillent dans l'appareil judiciaire, mais elle est aussi malade du traitement réservé à cette justice. Si je suis élue présidente, je commencerai par réformer cette justice. Par quoi? Premièrement, la mise en œuvre des textes.
Ce n'est pas normal que nous ayons dans ces pays uniquement 3500 magistrats qui soient obligés de travailler pour une population de 100 millions d'habitants. 3500 pour 100 millions d'habitants, comment voulez-vous que les magistrats qui sont déjà très mal payés, qui ne sont pour la plupart pas recyclés, qui en plus de ça travaillent dans des conditions, on va dire, délétères, je pense qu'à un moment donné, il faut leur redonner, redorer leur blason et leur redonner les mérites et la noblesse qu'imposent leurs fonctions. Donc, votre question... Oui, 3500, vous voulez ramener à combien ? Je vous dis que le ratio, actuellement, lorsqu'il y a 3500, vous pouvez faire le calcul avec moi, et que nous sommes à peu près 100 millions d'habitants, ça nous ramène à un ratio de 1 magistrat pour 28 000 habitants. La norme, vous devriez le savoir, madame la journaliste, la norme voudrait qu'il y ait un magistrat pour au moins 5 000 habitants, c'est comme ça que ça se passe dans les vraies démocraties. Donc, considérer que nous avons une justice malade, c'est aussi fermer les yeux sur le rôle que l'État ne fait pas vis-à-vis de cette justice. Lorsqu'on l'accuse d'être corrompu, on l'accuse de ne pas suffisamment dire le droit comme il faut, est-ce que l'État s'assure que nos magistrats travaillent dans les bonnes conditions ? Est-ce que l'État s'assure de la mise à niveau de nos magistrats ? Est-ce que l'État s'assure de ce que, au moment où il faut placer des magistrats dans des postes, que ce soit leur père qui les désigne et que ce ne soit pas des nominations politiques ? Voici ce que je viens amener, l'État ou la République des valeurs. Ramener des valeurs, même jusque dans la justice, ramener des valeurs de manière à ce que la politique ou en tout cas le pays se sente suffisamment protégé et équipé parce que nous avons un appareil fort. Voilà, Rachel. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qui doit être fait de mieux que ce qui se fait maintenant ? Parce que vous n'allez la pas justice, me dire si les juristes vous entendent, ils ne seront pas fiers de penser vous pensez qu'ils sont bien payés. Traitement en termes de salaire que doivent avoir nos magistrats, vous ne pouvez pas dire que ces gens-là sont bien payés aujourd'hui. Je parle des réformes, madame. Si vous me laissiez poser ma question, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce qui doit être fait de mieux que ce qui se fait maintenant en termes de réforme ? Parce que pour ce qui est du nombre de magistrats, il y en a 5 000 qui ont été recrutés. Une bonne partie a déjà été jetée dans le bain. Une autre partie devrait suivre. J'aime bien le mot « elle a déjà été ». Une bonne partie affectée, oui, j'étais dans le bain. D'accord. Alors, je vous reprendrai sur cette question. Terminez votre question. Qu'est-ce qui doit être fait ? Et de quelle manière pour avoir le ratio que vous proposez, vu les conditions dans lesquelles évolue le pays, et comment sortir concrètement notre justice de tous ces maux qui ne l'honorent pas, qui font que tout le temps elle est critiquée. Monsieur Kabundi, vous vivez en RDC avec moi. Vous êtes conscient que notre appareil judiciaire et les membres de cet appareil ne sont pas payés comme il faut. Ça, c'est la première des choses. Mais vous me demandez les réformes au niveau des textes. Les réformes, parce que les textes, en fait, existent. Il faut simplement travailler sur la mise en œuvre de ces textes. Vous savez, lorsqu'on envoie, par exemple, un magistrat travailler en dehors de sa juridiction, on va dire naturelle, on en prend un à Kinshasa et on l'envoie, je dirais, à Katakokombe. Les textes prévoient, par exemple, qu'il ait une prime de défrayement, une prime de déplacement. Renseignez-vous si ce cas-là est réalisé au jour d'aujourd'hui. Posez la question. Donnez-nous à les tout informations ce que... parce que vous je vous le disposez. Donne, c'est pour ça que je suis là. Enfin, je pensais que vous, en tant que journaliste, vous m'apportiez des réponses. Parce que moi, j'ai besoin aussi de vous. On est face à une candidate qui s'est renseignée et qui veut briguer. C'est ce que je vous dis. Ce poste. C'est ce que je vous dis, que ce n'est pas mis en œuvre. Voilà pourquoi je voudrais, sous ma mandature, sous ma législature à moi, sous ma magistrature à moi, je voudrais que les textes soient respectés pour redorer l'image de notre appareil judiciaire en passant principalement par le meilleur traitement, les meilleures conditions, les meilleures mises en exécution des textes et faire en sorte que nous soyons fiers de notre justice parce que, comme je vous dis, c'est le garant de la nation. Voilà. Rachel. Merci beaucoup. Ce meilleur traitement passera par quoi ? Concrètement, vous êtes élue présidente de la République. Combien devra toucher un magistrat ? De deux, les conditions de travail. Si vous êtes élue présidente de la République, quelle est votre programmation quinquennale
pour essayer de mettre les magistrats dans les conditions. Que comptez-vous faire exactement pour améliorer les conditions de travail et aussi le budget? Quel est le budget que vous comptez allouer au secteur de la justice pour finalement qu'elle puisse reprendre de service et qu'elle fasse un travail qui honore la République? Madame Kissita, vous me donnez là encore l'occasion de vous répondre parfaitement. Je veux imposer, je veux instaurer la République des valeurs. Je ne conçois donc pas qu'il n'y ait pas de politique salariale. Vous me demandez quel doit être le salaire d'un magistrat. Mais le magistrat, ce n'est pas de la génération spontanée. Un magistrat a un niveau équivalent dans un autre service d'un fonctionnaire autre, dans un autre département, mais à un niveau équivalent. Donc ce n'est pas combien je paierai le magistrat, c'est combien la politique salariale permettra à ce que ce niveau de recrutement, ce niveau de fonctionnement ou de fonctionnaire obtiennent comme salaire. Et ça, c'est un travail que nous allons mettre en place. Une politique salariale pour tous les employés, tous les fonctionnaires du Congo. On ne va pas faire ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire au pif. On choisit à la tête de la personne. Vous êtes fonctionnaire du secteur privé, du secteur des ministères, vous aurez 100 000 francs congolais. Vous êtes enseignant de quelle école, dans quelle province, vous aurez 206 000 francs congolais. Vous êtes magistrat, vous aurez... Ça ne devrait pas se passer comme ça. Une république doit être de la norme, la normalité, le standard, les valeurs. Oui, mais ce standard-là, vous auriez dû expliquer beaucoup plus de manière concrète. Vous reprochez qu'il n'y a pas de politique salariale, si je vous ai bien compris, appliquée dans toute sa rigueur. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce qu'il y a une échelle de valeurs. Depuis le début, entre le huissier et puis le... Je n'arrête pas de vous dire depuis le début que lorsque je serai présidente, je veillerai à ce qu'on mette une place d'une politique salariale. Une politique salariale, c'est comme une grille. On va tenir compte du plafond de tout le monde, du plus bas au plus haut, ou l'inverse, du plus haut au plus bas, ça revient au même, la ventilation des salaires de tous les fonctionnaires. Donc, ne me demandez pas combien vous allez payer, c'est un travail. On doit arrêter de travailler au pif, on se lève le matin, on dit... On va donner 200 $, on va rajouter à 106. On doit tenir compte déjà du niveau de la vie, des allocations familiales. On doit tenir compte du transport. On doit tenir compte de ce que le Congolais dépense pour se loger. De combien le Congolais dépense pour prendre même des vacances. Tout ceci doit constituer la politique salariale qui doit être mise en place. Et c'est une formulation de politique nationale que je voudrais mettre en place. Donc, Jacques Moulouba, dernière intervention. Rachel, est-ce que vous savez aujourd'hui combien touche un magistrat? Si je sais combien il touche, exactement, madame. Combien? Ils ont exactement l'équivalent de 486 000, si pas 500 000. En tout cas, ils n'arrivent pas à 510 000 francs congolais. Voilà. Je vous laisse vérifier ça. Vous avez Internet. Vous devez avoir des amis magistrats. Appelez-le. Leur salaire ne dépasse pas 500 000 francs congolais. Je vous invite à me donner des chiffres au contraire. Et pour qu'un magistrat vive dignement de son métier, qu'il exerce ce métier sans tenir compte des pesanteurs extérieurs, sans être victime ou auteur de la corruption, vous souhaiterez ramener ce salaire à combien? Là, vous me posez une question assez subjective, mais comme je vous dis, ça ne devrait pas être que le salaire du magistrat. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Nous parlons d'une politique salariale. Il y a des experts en la matière. Je vous mentirais si je vous dis que je suis une experte en détermination de salaire. Ce que je sais, c'est qu'une fois que nous appliquons un barème unique pour tous les équivalents en termes de poste, je crois qu'on peut... En tenant compte en plus des paramètres que je vous ai cités, c'est-à-dire les indemnités journalières, c'est-à-dire les allocations familiales, transport, les pécules de vacances et les différents frais, que ce soit pour la retraite et autres, à partir de ce moment-là... Donc vous avez besoin du temps, une fois que vous serez élu, c'est en ce moment-là que vous allez réfléchir sérieusement sur ces questions. Je ne peux pas aujourd'hui mettre en place cette politique si je ne suis pas assise dans le fauteuil présidentiel, Madame Bouila. Très bien. Il faudrait que je sois présidente d'abord. Il y a une question importante de la lutte contre la corruption. Vous avez dénoncé cela, mais vous ne nous dites pas comment vous comptez vous attaquer à ce qui ronge la République.
Bonne question, effectivement. Comment est-ce que je compte m'y prendre? Lorsque les gens sont bien traités, lorsque les gens travaillent dans des bonnes conditions, lorsque les gens passent par un renforcement des capacités, et dans le renforcement de capacités, les gens ont le sens du civisme, le sens du patriotisme, je pense que petit à petit, tous ces écueils tombent. Comment font les autres nations où la corruption n'est pas aussi présente que chez nous? Il faut prendre exemple ailleurs. Et le meilleur exemple, c'est de dire, commençons par donner un bon traitement. Lorsqu'on paye bien les journalistes, on sait qu'ils n'ont pas besoin de venir derrière, courir après, je ne sais pas moi, tel ou tel autre politicien, pour exiger ou pour demander quelque chose. Ils n'ont pas besoin de tomber à ça, parce qu'ils ont des salaires décents. Nous devons nous battre pour que le Congolais soit valorisé. En fait, c'est aussi ça, une partie intégrante et très importante de mon programme. Valoriser l'homme congolais. Nous sommes un pays riche. Il faudrait que de notre richesse, que nous soyons suffisamment fiers, que nous nous sentons souverains et qu'au nom de ça, nous soyons dignes pour ne plus jamais voir la corruption comme étant le seul moyen de vivre, le seul moyen d'élever nos enfants et le seul moyen de pouvoir se lever le matin pour se déplacer. Certains voilà. Vous diront aussi, madame, Thierry, que oui. Ce n'est pas... Certains vous diront, excusez-moi, que ce n'est pas forcément vrai parce que les plus grands détourneurs des millions de dollars qu'on entend à longueur des journées, malheureusement, ici chez nous au pays, ne sont pas forcément ceux qui sont mal payés. Les fameux couloirs en cravate. C'est dans tous les sens. On a des hommes importants qui sont investis d'une autorité publique, qui ont été mandatés pour travailler pour le peuple, qui sont payés, comme vous dites, lourdement, je l'apprends par vous, qui sont payés lourdement et qui, en plus, détournent les deniers publics. Donc, le peu que le petit peuple aurait pu recueillir, ces gens que vous semblez connaître, sont les premiers détourneurs. Mais c'est la valeur qui n'existe plus. C'est juste pour vous dire que ça ne suffit pas. La revalorisation salariale ne suffit pas. Madame on Joël, vous demande merci plus beaucoup. De mesures c'est, par rapport bon, à ça. Je reviens sur l'élégance. Je crois que ce n'est pas des accusations entre journalistes et la candidate présidente qui va diriger aussi des journalistes et qui seront toujours là pour lui poser des questions. Nous allons prendre la sécurité nationale, la cohabitation intercommunautaire et la stabilité sociale. Joël Bilé, présidente de la République, comment comptez-vous assurer la sécurité de nos frontières nationales? Parce que vous allez hériter, si vous gagnez cette élection, d'un pays qui fait plus de 20 années d'agression et aussi des tensions entre les communautés. Il n'y a pas longtemps, il y a des cas qui sont très récents. On vous écoute. Madame Bouila, la sécurité, j'aimerais que nous la définissions tous ensemble. La sécurité est une politique publique. La sécurité est une stratégie nationale conduite par l'État. Pour quel motif? Pour protéger, premièrement, la population, deuxièmement, le territoire, troisièmement, les intérêts vitaux. Quels sont les intérêts vitaux que nous avons? Ce sont nos richesses. Je ferai en sorte que nos richesses soient protégées. Et nos richesses, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que les minerais, il y a les forêts, il y a l'eau, il y a le gaz, il y a le pétrole. Il y a toutes ces richesses que nous devons protéger. Mais je vous ai dit, ça protégerait aussi l'homme, protéger le Congolais. Nous devons être dans un pays où on est fier parce qu'on est pris en charge, même lorsqu'on dort. La question que vous me posez, quelqu'un qui est en ce moment à Bounia, et qui subit les affres de la guerre, et qui ne sait même pas s'il se réveillera le matin. Justement, c'est... madame, oui, je peux vous interrompre un peu pour dire ceci. Le sens de la question de ma consoeur, c'est que vous héritez d'un pays qui est en guerre aujourd'hui, agressé par le Rwanda via le M23. Quelle est la recette Bilé? Quel est le plan Bilé pour la sortie de crise ou pour mettre fin à cette guerre, peut-être à moyen terme? D'accord. Donc, si je comprends bien, la question de la sécurité, vous ne la réduisez que à la question du c'est Rwanda. C'est un aspect, puisque c'est une question d'accord, d'actualité que aujourd'hui. Vous avez évoqué la population de Bounia qui est en train de vivre les affres de la guerre. Et donc, donnez-nous votre plan de sortie de crise. Je me suis sentie quelque peu agressée, donc comprenez-moi que vraiment, ça m'a mis hors de moi sentez-vous et je tiens à le dire allez, en direct. Vous êtes en j'aimerais sécurité, que ça, madame. Soit, ça oui. soit jusqu'au bout. Je me suis sentie vraiment agressée et donc comprenez un peu. Mais bon, on va essayer de remettre les choses dans la normalité. Et parler de la République des valeurs. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Si je suis présidente, je pense qu'il sera opportun, essentiel, de mettre tout
toutes les parties prenantes ensemble. Qu'est-ce que j'entends par parties prenantes? D'abord, les communautés. Parce que je pense que les guerres ou les conflits armés qu'il y a principalement à l'Est, mais aussi beaucoup dans une partie du Maïndombé et peut-être aussi ailleurs, on a eu Kamuina Sampou il n'y a pas très longtemps, on a eu du côté Zéniélé aussi d'autres conflits armés ou en tout cas conflits ethniques. Commencer par mettre les parties prenantes ensemble, comprendre le problème parce qu'on ne peut pas résoudre une question lorsqu'on n'en a pas la genèse. Et une fois que toutes les parties sont là, en plus des communautés, je pense qu'il faudrait prendre langue d'une certaine manière avec les parties extérieures au problème. Ça veut dire certainement avec les pays qui nous agressent, certainement avec les autres groupes armés qui ont élu domicile dans notre territoire. Sans le dialogue, à mon avis, sans la démarche en tout cas de comprendre et d'écouter les uns les autres, je crois que le règlement de ce conflit est parti encore pour plusieurs années. Donc ma réponse, c'est établir le dialogue avec les uns et les autres pour en ressortir les causes profondes afin d'y trouver des réponses pérennes, durables et forcément conséquentes. Pas d'aspect militaire ? L'aspect militaire, mais oui. Bien entendu qu'il va falloir d'abord réarmer. Par réarmer, je veux dire renforcer notre armée. Et d'ailleurs, je voudrais ici saluer l'action qui a été portée par le candidat, ou en tout cas le chef de l'État sortant, c'est la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Parce que grâce à cette loi, aujourd'hui, nous savons qu'il y a un budget conséquent, important, qui sera mis à disposition de notre armée afin de la renforcer, justement. Mais il ne suffit pas de la renforcer financièrement. Elle devrait être dotée d'équipements, dotée, justement, de meilleures stratégies. Mais l'armée devra aussi avoir un temps, un bon moment de renforcement de capacité, mais aussi, j'ai envie de dire, un temps de civisme. Parce qu'un soldat, un militaire, qui se bat sous un drapeau, mais que le drapeau ne lui donne pas les moyens conséquents, pendant qu'il est sur le front, le drapeau en question ne permet pas à sa femme qui est restée derrière à manger, ne permet pas à ses enfants d'aller à l'école, je pense qu'il y a un gros travail. C'est pour ça que je voudrais mettre l'homme congolais au devant. Nous avons des problèmes à régler, d'accord, mais ces problèmes doivent tenir compte d'abord de l'être, du capital humain qui est le nôtre, parce qu'une armée, ce n'est pas que des machines. Une armée est constituée de Congolais, c'est votre frère, c'est ma sœur, et ces gens, nous devons prendre leur cas de façon holistique pour pouvoir justement faire en sorte que demain, ils se battent vaillamment pour nous sur les fronts. Et après combien de temps, selon vous, on peut arriver justement avec en travaillant sur les hommes? Une armée, pour qu'elle soit formée, il faut environ 5 ans. Avant 5 ans, on n'a pas une armée forte. Donc quand vous aurez votre mandat, au bout de 5 ans, vous n'arriverez pas à avoir une armée dissuasive, puisque pendant tout ce temps, quand j'envoie l'armée en formation, croyez-moi, ce ne sont pas toutes les âmes qui sont parties. Donc pendant qu'il y a quelques-uns qui se forment, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, D'autres prennent la relève de la sécurité. Voilà. Joël Bilé, vous avez évoqué dans votre argumentaire, vous avez salué une action d'un de vos challengers qui est engagé dans la course. Vous l'avez cité, c'est-à-dire vous appréciez ce qu'il fait. On peut imaginer que vous vous retirez pour le laisser avancer. C'est trop facile ça. La campagne va commencer demain, dimanche. Je ne peux pas venir ici en tant que candidate après avoir, surtout vous savez par où je suis passée, la Cour constitutionnelle, la CENI, la RECENI. Je ne peux pas venir ce matin, vous ne m'avez quasi pas écouté dans mon programme, me demander si je vais me retirer au profit du candidat. Mais parce que vous avez apprécié ce qu'il fait, je me dis qu'il y a une possibilité. La République des valeurs, madame, c'est aussi la continuité du pouvoir. On ne peut pas faire tabula rasa de tout. Et c'est d'ailleurs ça un drame aussi. Pourquoi ça ne fonctionne pas tant que ça? Parce que chaque régime vient avec ses politiques publiques. On devrait, en tout cas sous mon mandat, lorsque je serai élue présidente, il va falloir que nous formulions des politiques publiques qui soient pérennes, qui restent pour qu'à chaque fois, nous sachions quel est le niveau de l'éducation que nous voulons offrir à notre pays, quel est le niveau de santé que nous voulons donner à notre pays. Et à chaque fois, on travaille sur ces acquis, on consolide les acquis. On ne vient pas pour tout balayer en disant « je suis la meilleure » et on reprend à zéro. Je pense que ce n'est pas une façon de faire. Moi, en tout cas, je viens comme étant non pas une candidate, comme on dit, de la rupture. Je suis la candidate qui veut saisir. Notre pays a perdu beaucoup. Nous sommes en retard de tout. Ce qu'on a de bien,
je voudrais prendre ça et continuer ce travail pour permettre à ce que la RDC ne connaisse pas une régression qui soit encore plus fatale. Deux interventions sur la sécurité encore, la cohabitation intercommunautaire et la stabilité pour continuer. Oui, madame, j'ai retenu par rapport à... pour mettre fin à toutes ces tensions en interne, il faut un dialogue entre communautés. Et l'autre aspect, c'est le dialogue avec les pays qui nous agressent. Cela a été l'enjeu des différents mandats passés. Ma question est de savoir quelle posture avoir ou quel narratif avoir vis-à-vis de ces agresseurs-là, parce que le président sortant que vous évoquez a eu à évoquer cet aspect dialogue avec eux, ça n'a pas marché. Son prédécesseur a appliqué la même démarche sans succès. Quelle posture aurez-vous en tant que président de la République vis-à-vis d'un État ou des États qui nous agressent clairement et qui n'écoutent pas le langage du dialogue? Vous savez pourquoi ces États ne nous respectent pas? C'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Lorsque ces États voient la manière dont nous traitons notre propre armée et que toute la manière dont nos hommes en armes sont fustigés, qu'on les voit dans les réseaux sociaux vilipendés par la population, dépouillés par les uns et les autres, je crois que tout ça ne nous donne pas le leadership assez pour pouvoir discuter d'égal à égal vis-à-vis de ceux qui nous agressent. Bien sûr, j'aurai une posture de fermeté, une posture de presque réciprocité, vis-à-vis de ces gens-là. Ça veut dire, nous devons, lorsque on a décidé de respecter un accord, on a décidé de respecter une entente, ne fût-ce que momentanée, nous devons de part et d'autre s'accorder un respect mutuel. Lorsqu'il n'y a pas de respect et que le dialogue, ou en tout cas l'accord est brisé par l'un, je pense que la fermeté doit être ce que l'on attend, en tout cas ce que je mettrai, moi, lorsque je serai présidente. Donc c'est une attitude que je vous dis, il faudrait d'abord que nous soyons valorisés nous-mêmes, que nous mettions toutes les chances de notre côté pour être vus comme des acteurs responsables, des acteurs qui ont envie réellement de protéger et de sécuriser non seulement les territoires, mais sécuriser aussi les hommes et sécuriser leurs biens. Je voudrais vous parler par exemple du plateau continental. Vous savez que nos voisins de l'Angola exploitent le pétrole depuis bien d'années et que nous, nous tergiversons encore. Alors demain, on sera peut-être là à pleurer, mais comment ça se fait que eux arrivent à engendrer des recettes à travers cette exploitation de pétrole. Mais dans l'entretemps, nous, le pétrole que nous n'exploitons pas maintenant, peut-être que dans 50 ans, nous n'aurons plus à le faire. Parce que vous savez, l'agenda de la transition écologique fait que bientôt, toutes les énergies fossiles ne seront plus utilisées. Et ça, pour moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une démarche militaire dans le règlement du conflit. Ou en tout cas, je ne veux pas parler de conflit. Je préfère parler du bon vivre ensemble avec le voisin. On ne doit pas voir que l'aspect répressif, l'aspect militaire, l'aspect de force. Il faut utiliser aussi le soft power. Ça veut dire une intelligence qui permet de se dire à quel moment, sur quel aspect que je toucherai, je crois que le voisin d'en face qui aura besoin de ce que je suis capable de mettre sur la table, ce voisin me respectera parce qu'il devra négocier, discuter avec moi pour obtenir en échange de tel argument ou tel argument. Voilà. Rachel Kitsita, vous êtes élue présidente de la République. Ça sera quoi la première réforme, Joël Bilé, sur le plan de la sécurité, la première décision sur laquelle vous allez tabler si vous êtes élue présidente de la République? Merci Madame Rachel. Si je suis élue présidente, ma toute première démarche du point de vue sécuritaire sera de procéder à l'identification. Il est difficile de parler d'un plan de paix, il est difficile de parler d'un plan de développement, il est difficile de parler de croissance économique si nous ne savons même pas combien sommes-nous? Sommes-nous 80 millions? Sommes-nous 100 millions? Sommes-nous plus que ça? Et parmi les 100 millions qui sont congolais, qui ne le sont pas? Donc moi, présidente, je commencerai par l'identification, je commencerai par le recensement et j'accorderai aux Congolais, tenez-vous, madame,
L'instrument majeur de la souveraineté d'un Congolais, c'est l'identité. Je ferai en sorte que chaque Congolais détienne sa pièce d'identité dans laquelle, justement, on pourrait retrouver toutes les informations, toutes les données qui lui donnent la latitude et la fierté d'appartenir à une nation que nous allons construire sur base des valeurs. En dehors de l'Est, il y a également des phénomènes sociaux, notamment aujourd'hui on parle des Kuluna, non seulement qui opèrent à Kinshasa, mais dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Comment comptez-vous mettre fin à ce fléau? Madame, je compte restaurer l'autorité de l'État. Pourquoi ces jeunes se comportent comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas de gestion, il n'y a pas l'autorité de l'État. L'État a capitulé, l'État a abandonné, l'État a laissé tomber, l'État a laissé tout le monde faire ce qu'il a envie de faire, comme il veut le faire, indépendamment du fait que ça respecte la liberté des uns ou des autres. Et c'est cette autorité, justement, que comment je voudrais... Comment vous allez procéder? Comment je le procède? Déjà, madame, par les textes. Si les textes imposent à ce qu'une personne qui a commis un tel forfait soit déférée en justice et qu'une fois qu'il est passé en instance juridictionnelle, cette personne a droit à un temps déterminé ou défini à passer, derrière les barreaux. Et il est hors de question parce qu'il est le frère d'un tel, parce qu'il dépend de tel parti politique, parce qu'il a une influence quelconque, que cette personne se retrouve 2-3 jours à l'extérieur. Vous le vivez avec moi, madame Kisita. Donc vous ne pouvez pas me poser des questions qui sont de l'ordre de ce que nous vivons tous les jours. Nous vivons un abandon. Nous vivons une autorité de l'État qui n'existe plus. Je la remettrai en place de telle manière à ce que tout forfait soit puni, tout crime soit absolument traité comme il faut, et de cette manière, si les textes sont respectés, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur public, que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit à tous les niveaux, lorsque l'on respecte la norme, on respecte les textes, on respecte la valeur, je pense que ceci fait un État fort, un État qui n'est pas un État, on va dire, une république bananière. Mais il s'agirait d'un État qui est vertébré, d'un État qui se retrouve, grâce à son administration, entre autres, qui est l'épine dorsale d'un État. Je crois qu'en ce moment-là, la République des valeurs est une République où il fera bon vivre, où vous n'aurez pas peur, vous, de sortir de chez vous à n'importe quelle heure, d'accord, sans risque d'être embêté par qui que ce soit. Et pour arriver à cette République des valeurs, il faudrait passer par toutes les étapes, madame, excusez-moi. Votre programme du gouvernement, en fait, programme quinquennal, est chiffré à combien? Puisque pour refonder cette nation, il faudra injecter aussi beaucoup, beaucoup, puisqu'il n'y a pas de politique sans budget et sans financement. À combien vous évaluez votre programme quinquennal, Joël Bilé? Madame, je vais arriver à la tête de l'État l'année prochaine, d'accord? En janvier 2024. Et en janvier 2004, l'exercice de janvier 2004 a déjà été voté. 2024, la loi financière 2024. Est déjà votée cette année. Donc je ne saurais m'appuyer déjà que sur les acquis. Vous êtes capable de me dire quel est le budget de cet exercice? Il n'est pas encore promulgué. C'est un budget à l'Assemblée nationale, mais ici, madame, c'est nous qui vous posons des tout questions. Tout à fait. Donc, moi, j'ai une idée parfaite sur ce qui a été voté à l'Assemblée. Non, en fait, je vous demandais de l'aide, tout simplement. C'est que pour 2024, c'est un peu plus de 16 milliards. Un peu plus de 16 milliards, très bien. Donc moi, je démarrerai déjà avec ces 16 milliards. Du coup, mon travail est entre guillemets facilité. Mais comme je suis appelée à faire mieux, j'envisage un budget estimatif pouvant aller jusqu'à 20 milliards par an, si pas 25 milliards par an, parce que nous en avons les moyens. Lorsqu'on s'organise pour que le coulage des recettes, lorsqu'on s'organise pour que tous les corrupteurs, et les corrompus bien sûr, pour que tous les détournements
soit finalement verrouillée, je pense qu'il y a moyen effectivement de mobiliser suffisamment de recettes et de voilà. pouvoir dire que notre budget tournerait autour de 20 milliards de dollars par an et un peu plus. Vous parlez justement de mobilisation de recettes et toutes les réformes que vous comptez lancer, ça demande des moyens. Dites-nous comment vous comptez, vous, mettre en place une politique pour la maximisation de recettes pour vous donner justement les moyens d'innover, d'asseoir les réformes. Donc là, il s'agit que vous nous expliquiez les stratégies économiques, le développement industriel, scientifique et culturel pour la RDC. Très bien, Madame Bouila. Pour ce point, je voudrais vous répondre déjà en disant, en prenant ne fût-ce que la maxime de Henri Morton Salley, qui disait « Le Congo ne vaut pas un penny s'il n'y a pas de chemin de fer ». La première des choses que je ferai serait de réhabiliter le chemin de fer dont les tracés sont existants. Ceci ferait quoi ? Qu'il y aurait déjà moins de fonds, moins de ressources à mettre dans le transport routier. Vous savez que la plupart de nos minerais sont déplacés à travers des camions, à travers des trucks. Et à chaque fois, lorsque les minerais arrivent à destination, ou en tout cas au port, ils retirent les frais de transport et c'est la trésorerie de l'État qui perd. Or, si nous avions un chemin de fer, il y aurait plus de volume de minerais transportés, d'autant plus que ces minerais, dans l'entretemps, seront transformés, parce que sous moi, j'imposerais qu'il y ait un développement du tissu industriel ici en RDC. Jacques Madame, Mouloba. Vous insistez sur... Là, vous avez évoqué les voies de communication. Qui sont aussi des voies qui permettent à ce qu'économiquement, la RDC devienne forte. La question centrale est celle-ci. L'économie de la République démocratique du Congo est plus tournée vers l'extérieur et avec un seul secteur clé, les mines, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, quand vous allez prendre le pouvoir, quel est le modèle économique que vous allez imprimer pour que vous ayez justement ce développement du pays ? Quel est votre modèle économique ? Monsieur Jacques Mouloba, avec vous, je voudrais que nous voyons l'économie sous toute sa diversité. L'économie, vous savez qu'elle est répartie pratiquement en trois échelles. Nous avons l'économie primaire, qui justement intègre les minerais dont vous parlez, mais à côté de cela, il y a l'agriculture. Nous, lorsque je serai présidente, ferai en sorte que des moyens conséquents soient mis de telle sorte à ce que notre agriculture soit mécanisée, qu'il y ait des voies de desserte agricole, qu'il y ait la réhabilitation justement des moyens de communication. Et lorsque je vous parlais des chemins de fer, c'était pour vous faire comprendre qu'il faudrait mettre des voies importantes qui relieraient déjà les chefs-lieux et qui relieraient les chefs-lieux vers des centres de négoces importants. Ça, c'est pour l'étape de l'économie primaire. Mais il y a l'économie secondaire. C'est l'économie qui parle principalement de l'industrie. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Mouloba, que l'industrie au Congo n'existe plus. Nous avons vu avec vous ce qu'est devenu l'IMT industriel. Ça n'existe plus, c'est des églises. Nous avons vu ce qu'est devenu poids lourd. Tout ce qu'il y avait comme entreprise là-bas n'existe plus. Toutes ces industries, il est temps justement de les faire remettre au cœur de l'économie congolaise parce que c'est là qu'il y aura de la création d'emplois. Comment cela ? Comment vous allez vous y prendre justement ? Mais je viens de vous parler par exemple du fait d'imposer à ce que nous n'exportions plus des produits bruts, quels qu'ils soient. Plus de minerais qui sortent sans qu'ils ne soient traités. Ceci imposerait donc que nous ayons sur place des industries de raffinerie, des industries de transformation. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté parce que le régime actuel applique cela. Il y a des usines qui sont construites, donc dites-nous ce que vous apportez de nouveau. Vous essayez de me dire que le régime actuel a permis à ce que le développement industriel connaisse un boom. Non, je ne vais pas vous croire. Ce principe-là est déjà appliqué. Le principe est là, mais j'accentuerai. Je ferai en sorte qu'il soit permanent pour nous désengager, entre guillemets, de valeurs extractives, parce que vous savez que ce n'est pas nous qui imposons le prix des minerais. Je veux mettre l'accent là où le Congolais reste maître de quelque chose. Lorsque vous allez acheter du pain, par exemple, est-ce que c'est vous qui imposez le prix du pain ou vous trouvez le vendeur du pain qui dit « Maman, l'ipananga est à 500 francs ». C'est de cette manière qu'on doit travailler avec les minerais. Il est hors de question qu'on continue à voir des prix de cobalt, d'uranium ou de lithium fixés à Londres, au Japon et un peu partout. Nous devons mettre en place une économie où nous sommes les maîtres de cela et nous serons respectés. Mais aussi, en parlant de l'économie, je voudrais, sous mon mandat, faire en sorte que l'économie ne soit pas vue uniquement comme une simple création de richesses.
J'aimerais même qu'on appelle économie intelligence économique. Ça veut dire, au-delà de se dire qu'il va y avoir du négoce, on va vendre, on va acheter, il faudrait développer des idées. Parce qu'on peut avoir des ressources, mais pas avoir des idées. L'inverse est valable aussi. On peut avoir des idées, mais pas avoir des ressources. J'ai pour cas, par exemple, la France. Il n'y a pas un soupçon de pétrole, pas une larme de pétrole en France. Mais vous et moi savons ce que devenu Elf à travers l'Afrique. Parce que, justement, la France a eu ce qu'on appelle une intelligence économique que de se dire « j'ai besoin de tel capital, je sais comment l'obtenir ». C'est de cette manière que nous devons faire à ce que les gens viennent vers nous. Comptez-vous instaurer, par exemple, une bourse de Kinshasa sur le plan économique ? Puisque vous ne voulez pas que le prix de nos produits soit fixé à l'étranger, par Londres, aux États-Unis. Alors, vous envisagez une bourse congolaise ? Mais je vous dis que quand j'étais plus jeune, mon père travaillait à la CCIZ, qui est devenue aujourd'hui l'hôtel Kempinski. Il y avait une bourse là-bas. Toute jeune, je devais avoir 10 ans, 11 ans, je voyais déjà le Mercurial et toute la bourse qui était là. Vous savez l'histoire de notre pays ? Il faudrait que nous la connaissions. C'est ce qui nous rend fiers. Moi, je prends le temps de lire tout ce qui a donné de la valeur, de la dignité, de la fierté au Congo. Et je me souviens que CCIZ était un édifice qui rendait tout le monde fier de nous. C'était un édifice où les gens venaient de l'extérieur pour venir voir ce mercurial et savoir à combien se vendait le cuivre à l'époque, à combien nous vendons les différents minerais que nous avons aujourd'hui. Donc oui, je suis fière de dire que je remettrai une bourse parce que ce n'est pas normal. C'est nous qui produisons le lithium. Il n'y en a pas ailleurs. C'est nous qui produisons les minerais qui sont recherchés aujourd'hui dans cette transition écologique et énergétique. On doit être fier de ça et on doit se dire, avec ça, nous, Congolais, nous ne supporterons plus le pillage des recettes. Nous ne supporterons plus que ce soit les étrangers qui instrumentalisent les différents groupes armés pour nous voler notre richesse. Et nous, depuis 20 ans, nous ne faisons que de pleurer. Nous devons être en mesure d'être dignes et d'être forts et d'avoir justement des étudiants. Et là aussi, je voudrais insister sur cette question. La recherche doit venir en soutien au mode de gestion économique que nous devons avoir, parce qu'alors là, on développera, grâce à nos différents étudiants et chercheurs, différents moyens de permettre à ce que le pays aille de l'avant. Rachel ? Madame Billet, vous savez que les finances et l'économie en termes des banques sont ténues. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, l'économie et les finances, en termes des banques, sont tenues en majorité, majoritairement par des étrangers. Mais alors, tout en encourageant les investissements étrangers au pays, comment comptez-vous, quelle est la politique que vous allez mettre en place pour permettre aux Congolais de monter en puissance et efficacement dans ce secteur? C'est une question très pertinente que vous me posez. Je vous en remercie, Madame Kizita. Effectivement, je suis peinée de voir aujourd'hui que le trois quarts d'investissement important, comme vous dites, les banques justement, ne soient pas tenues par les Congolais. Mais il me semble aussi que les Congolais ne bénéficient pas, si vous voulez, d'un soutien, d'un accompagnement. Vous savez, je suis issue du secteur privé. Et en général, pour faire des affaires, on a besoin d'obtenir des crédits, d'obtenir des financements. Aucune banque congolaise, et les banques congolaises pourraient être mises à disposition par l'État. Aucune banque congolaise, une banque agricole, une banque industrielle, une banque commerciale n'accompagne les Congolais. Et vous me dites qu'il n'y a justement que des investissements étrangers. Donc n'attendez pas à ce que les étrangers qui sont assis en starting block et qui nous regardent la RDC, où il y a 100 millions d'habitants, et ils se disent qu'on va pouvoir déverser. On ne doit pas être un déversoir. L'État devrait mettre des structures suffisamment fortes, qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes d'infrastructures, comme des routes, comme des voies de communication, comme des transports, comme des banques, pour permettre à ce que le Congolais qui va travailler demain obtienne suffisamment de revenus et que demain, peut-être, ces Congolais-là mettent en place une banque privée. Mais si, dans l'entretemps, les Congolais ne sont voués qu'à être des sous-traitants, même pour des industries importantes, l'industrie minière, par exemple, on va encore en reparler, vous savez que si vous allez à la Banque centrale, vous avez très peu
d'investissement émanant d'une banque de l'ordre, par exemple, de 20 milliards de dollars, ce n'est pas possible. Et demandez-moi pourquoi. Parce que lorsque ces investisseurs arrivent, ils ont un carré minier quelque part, on choisit à l'est du Congo ou dans le Kassai, peu importe. Ils arrivent à cet endroit-là, ils n'ont pas d'électricité. Qui doit fournir l'électricité normalement, c'est l'État. Mais l'État n'a pas joué son rôle. Ils arrivent, il n'y a pas de route. Ils arrivent, il n'y a pas de pièces de rechange. Ils arrivent, il n'y a pas d'eau. Il n'y a aucune infrastructure. Alors ces entreprises, pour fonctionner, sont obligées de rapatrier tous leurs fonds, aller dans ces pays, dans ces autres pays, pour ramener des groupes électrogènes, pour ramener des pièces de rechange. Et cet argent est déposé où ? De l'autre côté. De l'autre côté, finalement, on a des grosses entreprises minières qui sont ici, mais qui dépensent le trois quarts de leur budget, de leur financement. Ils le dépensent à l'extérieur. À quel moment est-ce que les Congolais, qui travaillent uniquement en sous-traitance, peuvent devenir des Congolais millionnaires ? Dites-moi comment. Il n'y a que le détournement qui peut faire des Congolais millionnaires. Autrement, ce n'est pas possible. Par le travail, avec le non-investissement de l'État, tel que nous le voyons aujourd'hui, il n'est pas possible pour un Congolais, quel qu'il soit, dans quelque secteur que ce soit, de se retrouver millionnaire, puisque nous ne bénéficions d'aucun accompagnement, d'aucun soutien. C'est pour ça, madame, je reviens non seulement à la République des valeurs, je reviens à la valorisation que l'on doit donner à l'homme congolais, mettre le Congolais en avant. Vous allez en France, on va vous dire que l'argent des Français appartient aux Français. Vous aimez la France, madame Joël, vous n'avez des exemples qu'en France. J'essaye de prendre beaucoup. L'une des grandes démocraties. Maintenant, je ne vais pas non plus vous parler du Tchad, que je ne connais pas très bien. Je peux étendre ma culture générale, mais j'essaye de parler des grandes démocraties, et vous le savez avec moi, que les grandes démocraties, la France est comptée parmi. Voilà. On va évoquer la question de l'électricité. Jacques Moulouba. Oui, juste une question, puisque vous avez évoqué parmi... les nécessités, donc la desserte en électricité. Mais madame, quand vous accédez à la magistrature suprême aujourd'hui, vous prenez en charge un pays où la desserte en électricité est de 9,6%, donc moins de 10% par rapport, donc c'est parmi les taux les plus faibles en Afrique. Et le chef de l'État actuel a évoqué qu'on est passé, en ce qui concerne la desserte dans les ménages, de 9% à 20%. Alors, quand vous allez prendre votre pouvoir, dites-nous un peu, de manière concrète, pour permettre aux industries de fonctionner normalement, vous allez améliorer la desserte en électricité jusqu'à l'ordre de combien ? Quel est le pourcentage que vous allez atteindre ? Pourquoi vouliez-vous que nous ayons une limite ? Dites-moi, à partir de quel moment vous estimez qu'il y a des zones du Congo, il y a des compatriotes qui ne méritent pas d'avoir l'électricité ? Qu'est-ce que vous prévoyez dans votre plan, justement ? Mais qu'est-ce que je prévois ? Oui. C'est une question qui répond directement au fonctionnement même du mode de gestion et de gouvernance. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'électricité aujourd'hui ? C'est peut-être ça la première des questions. Parce que vétusté de l'équipement au niveau du barrage d'Inga, parce que pas de prévision assez sur... le temps de mise en œuvre ou en tout cas de mise en état des différents poteaux à différents endroits, je crois que c'est une question simplement de moyens. Est-ce que l'État congolais manque de moyens pour faire redémarrer le barrage d'Inga ? Le barrage d'Inga seul ne saura pas desservir tout aussi, le pays. Aussi, alors là, vous madame. Me tendez encore une perche. Alors, ça nous que donne l'occasion de construire des mini-barrages un peu partout. Il n'y a pas longtemps, je me dirigeais vers le Maïndombé et j'ai pu voir... la chute que permet justement le Maïndombé. J'ai dit, voici un endroit où on pourrait mettre, installer, ériger un nouveau barrage pour permettre à ce que cette région ne reste pas dans l'obscurité. Vous savez, monsieur, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Les moyens, le Congo en a. Je le dis haut et fort que mon pays est riche. Oui, une fois, vous êtes chef de l'État. Une fois que je suis chef de l'État, je mobilise les moyens et je fais en sorte que les fonds soient alloués de manière efficace, de manière conséquente, pour les priorités qui sont justement cette question de taux de pénétration d'énergie électrique, mais aussi faire en sorte
que nous avons, vous avez vu un peu l'hydroélectricité que nous avons, le cours hydrique que nous avons, et à des endroits où il n'y a pas d'eau, on vit dans Kinshasa où il n'y a pas d'eau, on voit le fleuve passer devant nous, mais il n'y a pas d'eau à la maison, et vous me demandez si je serais capable de mettre en place, oui, je mettrai des moyens pour que des pipelines, pour que des services de traitement d'eau se mettent en place, de telle sorte à ce que tous les Congolais soient logés à la même enseigne. Je ne considère pas normal qu'il y ait de l'eau à la Gombe, mais qu'il n'y en ait pas à Malueka. Ils ne sont pas moins compatriotes que moi. Je ne conçois pas que ceux qui sont à Arou, ceux qui sont à Bounia, on me dit tu vas à Bounia à 18h, il n'y a plus d'électricité. Ceci me choque. Nous appartenons à un même pays. L'équité est une valeur qui devrait être mise en avant lors de ma mandature. Et je tiens vraiment à dire qu'il faudrait que nous revenions à la République des valeurs, mais aussi à l'identification. L'électricité pour combien de personnes? Parce que tout le monde tire des câbles. Qui tire? Combien sont-ils ceux qui tirent? Comment pouvons-nous les gérer? Il y a un sérieux problème. Identification, recensement, respect des textes, mise à la normalité, respect des valeurs, République des valeurs, et je pense que nous pourrons aller de l'avant. Thierry Kambundi. Madame, je voudrais peut-être, pour schématiser, revenir sur le modèle économique idéal pour la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'à travers les réponses aux questions de mes confrères et consoeurs, vous avez évoqué ce que vous allez faire dans des secteurs différents, mais qu'est-ce que vous appréciez de l'actuel modèle économique du pays et qu'est-ce que vous trouvez de mauvais que vous comptez, présidente de la République, réparer pour que nous ayons un modèle économique plus compétitif? Et puis, puisque vous avez parlé de certains quartiers pauvres ou de certains recoins du pays qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que d'autres, comment comptez-vous lutter de manière efficace contre la pauvreté et réduire ce taux de chômage, surtout chez les jeunes? Là, je parle entre autres à l'opératrice économique que vous êtes. Merci, Monsieur Kambundi. La première des questions, quel sera mon modèle économique? Un modèle qui est basé essentiellement sur l'agriculture. L'agriculture, vous savez, est ce qui a permis à des grandes nations de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi que même la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine est une guerre qui est basée, entre autres, sur la production et sur la commercialisation des céréales. C'est pour vous dire combien cette question essentielle de l'agriculture est importante. Je ferai en sorte que nous ne soyons plus extravertis en termes d'économie. Nous ne regardons plus uniquement à tout ce qui concerne les minerais. Nous allons mettre l'accent pour que soit produit localement, en tout cas toutes les terres, 80 millions de terres arables. J'entends ça tous les jours. C'est devenu comme un slogan. J'espère que même les partis DPC continuent d'être comptés dans les 80 millions, mais toutes ces terres devront être exploitées. On devrait davantage donner aux Congolais la possibilité de jouir des terres, parce que je sais qu'il y a aussi des lois restrictives qui font en sorte que la jouissance des terres ne soit pas équitable et égalitaire pour tous les Congolais. Donc, donner à l'agriculture une place prépondérante, travailler sur les chaînes de valeur, et là je parle en tant qu'entrepreneur, travailler sur les chaînes de valeur, s'organiser pour qu'il y ait sur place les industries, je vous parlais de l'économie qui est secondaire, remettre le tissu industriel qui n'existe plus. On devrait pouvoir produire localement tout ce qui est produit de base, en tout cas de première nécessité. Des boîtes de sardines, des papiers toilettes, des micros, n'importe quoi. Tout ça devrait pouvoir se produire localement. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que tout ce que vous dites a déjà été dit et redit autant de fois. Alors, si c'est le cas, c'est une question de volonté politique. Si l'état des lieux a déjà été fait, si le diagnostic est posé, et si malgré tout ça, ça ne se fait quand même pas, alors c'est une question de volonté politique. Et moi, je viens vous dire que j'ai la volonté, la détermination. Je viens parce que je ne supporte plus de voir cette misère congolaise qui dure depuis des années, alors que nous sommes un pays riche. Le chômage chez les jeunes. Au dernier point, je crois que maintenant il faudrait évoquer les questions de l'environnement et du développement durable. La RDC que vous comptez diriger demain
Où voulez-vous placer cette nation sur ces questions de développement, sur ces questions d'économie verte? Nous savons tous que la RDC est une réserve très importante, l'une des plus essentielles dans le monde sur la Terre en matière de crédit carbone. Et nous savons aussi que nos populations sont privées, si vous voulez, de pouvoir exploiter leur microcosme, leur environnement direct, au nom justement de la protection de la diversité et protection des différentes énergies que nos forêts, nos bassins renferment. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous devons traiter, échanger, négocier en position de force. Il faut une compensation à ces populations à qui on empêche de profiter de son écosystème au nom du fait que le monde a besoin de ce que nous nous renfermons, alors que les textes exigent que les pollueurs, les premiers pollueurs, soient les payeurs. Mais aujourd'hui, le Congo, nous ne polluons pas, mais nous ne recevons rien non plus. Donc, je placerai la RDC en tête des négociations pour dire que nous avons de quoi permettre au monde, à la Terre, de respirer. Mais au nom de ça, nous exigeons d'avoir une compensation, et une compensation importante pour dire demain, justement, de... si vous voulez, réparer le préjudice qui nous est fait. Voilà. Jacques Moulouba. Justement, madame, en fait, je voudrais avoir plus de précisions par rapport à... À la question ? Oui, à votre argument, puisque nous savons que la République démocratique du Congo est la première puissance mondiale en ce qui concerne le captage du CO2. Vous l'avez dit. D'accord. Et à ce titre-là, elle doit être subventionnée, c'est-à-dire bénéficier de frais de crédit carbone plus que beaucoup d'autres pays. Mais dans toutes les rencontres, tous les efforts qui sont fournis n'aboutissent pas, justement. Quelle est la stratégie qui sera la vôtre pour que cette fois-ci, on soit dans le bon et que le pays bénéficie justement de ces subsides-là? Et le deuxième aspect de la question, c'est que vous connaissez le parc Virunga plutôt, qui est placé comme un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à ce titre, on ne peut y exercer que des activités liées à la conservation de la nature et à la recherche scientifique. Et pourtant, ce parc regorge du pétrole, est riche en pétrole et un pétrole de très bonne qualité. Alors, quand vous allez accéder à vos fonctions, allez-vous permettre que l'on puisse exploiter le pétrole au détriment du parc qui est un patrimoine mondial, ou qu'est-ce que vous allez faire? Vous me donnez encore ici l'occasion de parler de la République des valeurs. Savez-vous que très souvent, lorsque la question de la RDC est négociée dans des grands forats, très souvent, ceux qui y vont en termes de négociateurs ne sont pas des personnes expertes et compétentes, très souvent, je ne dis pas à chaque fois. Lorsqu'il faut aller dans les commissions pour donner la position de la RDC et la faire asseoir dans les tables de négociation, souvent ceux qu'on envoie, parce qu'ils appartiennent à des partis politiques, parce qu'ils sont amis à tel ou tel autre ministre, désertent les réunions. Et on parle de la RDC quand les Congolais ne sont pas là. Et ça, c'est une question que j'ai vue déjà se négocier lorsqu'il s'agissait même du détournement du fleuve Ubangi. Et nous n'étions pas là, au point qu'il a fallu bien plus tard que les différentes organisations de l'environnement se mettent en bloc et commencent à faire un plaidoyer pour que ça n'ait pas lieu et que nous ne soyons pas dépouillés d'une partie de notre cours hydrique. Vous comprenez? Je pense que pour ça, il faudrait que les experts, parce que nous en avons au Congo, les experts sectoriels, soient les personnes que l'on envoie réellement pour les négociations. Parce qu'à part la ministre ou le ministre, lorsqu'il y va, il y a toujours des réunions parallèles qui se tiennent et au cours desquelles, très souvent, nos compatriotes ne sont pas. Le deuxième volet de votre question était de dire, est-ce que je privilégierais, moi, l'exploitation du pétrole par rapport à la biodiversité? Je venais de vous dire tout à l'heure que le pétrole, dans pas longtemps, nous ne pourrons même plus l'exploiter. Parce que nous sommes appelés, de par l'accord de Paris, il va y avoir donc cet agenda transitionnel, écologique. Ce type de fossile ne sera plus utilisé. Donc, bien sûr, je suis une amoureuse de la terre, je suis une amoureuse de l'environnement, je veux voir la RDC qui, justement, Madame Bouela me posait la question, qui a ce capital important de biodiversité, ne pas le perdre au profit
d'une richesse qui ne sera qu'éphémère et qui ne va durer bientôt que 20 ans. Donc je déplore le fait qu'on ait sacrifié à certains endroits, j'en profite pour le dire, à certains endroits des parcs, des terres verts, des espaces verts au profit des blocs pétroliers. Voilà. On sent que vous êtes très engagé dans cette question, mais vous ne nous dites pas clairement la monnaie de rechange par rapport à la question de bénéficier de taxes des CO2, parce qu'aujourd'hui, le régime en place continue les négociations. On a vu des positions très engagées. Mais vous, vous dénoncez cela, mais sans nous dire clairement comment vous faites. Ah non, madame, je vous reprends. Je ne dénonce pas cela, pas du tout. La position actuelle de la RBC. Pas du tout. Je ne dénonce pas cela. Alors, vous ne m'avez pas du tout compris. Ce que je dis, c'est que nous devons continuer à militer pour obtenir des compensations. C'est ce que fait le gouvernement. C'est juste militer ou vous êtes un peu plus agressive? On va le faire en position de force. Et pour qu'on soit en position de force, il faut autour des délégués, autour de la ministre qui y va, de plus en plus d'experts, des chercheurs, des scientifiques, ceux qui travaillent dans l'environnement, ceux qui travaillent dans la biodiversité, dans le développement durable, des jeunes, des étudiants qui prennent des cours sur ça. On a des Congolais qui sont formés à l'extérieur, dans des grandes nations. On pourrait les faire venir pour qu'ils constituent justement cette équipe qui ferait un bon plaidoyer pour accompagner la démarche de la RDC vers l'obtention d'une compensation. Je ne dis pas du tout que le travail qui est fait, au contraire, je salue ici le travail que fait Mme Bazaïba, mais je dis qu'à son action devrait être apportée une touche supplémentaire de la science, de la recherche, de la jeunesse et du dynamisme des Congolais pour que réellement nous obtenions, et aussi de l'intelligence artificielle parce qu'on en a besoin, qui apporte justement, j'ai envie de dire, une avancée significative et majeure vers cette compensation. Rachel. Voilà. Très bien dit, madame, puisqu'on sait tous que les mines vont s'épuiser un jour et vous le faites si bien de marteler qu'il faut mettre un accent aussi sur l'agriculture, puisqu'il faudra nourrir les Congolais plutôt que de toujours importer tout ce que nous consommons. Alors, sur le plan de l'agriculture, Joëlle Bilé, vous êtes élue présidente de la République aujourd'hui. Le secteur ne reçoit qu'un peu moins de 2% du budget national. Combien comptez-vous allouer au secteur de l'agriculture pour encourager ceux qui sont déjà dans le domaine? Et comment comptez-vous, quelle est votre politique pour appeler demain les Congolais à pouvoir s'intéresser à la terre puisqu'il faudra nourrir les Congolais? Vous savez, l'avantage de l'agriculture dans notre pays, elle n'a pas qu'une destinée ou une fin de nourrir les Congolais. Mais la politique en matière d'agriculture dans notre pays est aussi une question sécuritaire. Donc forcément que j'y mettrai beaucoup de moyens. Pourquoi je dis sécuritaire? Parce que vous saviez que toutes ces terres pour lesquelles se battent différentes communautés, si elles avaient été récupérées par l'État, exploitées par l'État, mises en valeur par l'État, plantées, cultivées par l'État, il y aurait moins de guerres ethniques comme on en voit sur le plateau de Bateke et même au niveau de l'Est. Donc, moi, présidente, je mettrai énormément de moyens. Maintenant, si vous me demandez en termes de pourcentage, ce serait gentiment de l'ordre de 30 à 35% du budget national que j'essaierai d'affecter pour la partie agricole, parce qu'il ne s'agit pas que de l'alimentaire, il y a aussi une notion de sécurité. Mais dans l'agriculture en général, je dis, j'irai jusqu'à 20 à 30% entre deux pour avancer. Vous voulez que l'État exploite les terres? Je voudrais que l'État, qui est maître des terres, l'État congolais maître des terres, puisse justement travailler, exploiter ses propres terres. Nous circulons, on prend la route, la première nationale, on voit à perte de vue des terres qui ne sont pas exploitées. C'est le secteur privé qui travaille et l'État crée l'environnement. Vous voulez que l'État rentre dans la concurrence? L'État crée les conditions. Pouvez-vous me dire quelles conditions ont été mises sur les terres occupées aujourd'hui par les Teke et les Umbu? Mais c'est vous qui répondez aux questions. Non, je réponds certes à la question, mais parce qu'en fait, vous avez l'air de décrier ma réponse. J'ai réagi à votre... Alors je dis, si justement je le dis, c'est parce que je pense que s'il y avait toutes les infrastructures qu'il faut... Là où se passent aujourd'hui les conflits entre Teke et Umbu, les infrastructures mises par l'État,
je suis sûre que les conflits auxquels nous assistons aujourd'hui n'auraient pas pris cette ampleur parce que alors la richesse, les créations de richesses, d'abord création d'emplois, se seraient faites de façon presque naturelle et il n'y aurait pas eu de favoritisme, il n'y aurait donc pas eu cette séparation de se dire d'un côté il y a les Hutus, d'un côté les Hutus, pardon, les Umbu et de l'autre côté il y a les Teke. Il y aurait justement cette capacité de l'État de pouvoir mettre en place soit des péages, mettre en place soit des dispositions de pouvoir récolter les produits ou les denrées après culture. Tout ça, si l'État avait pris les bonnes dispositions et si l'État avait mis en place des structures même qui permettent cette chaîne d'approvisionnement, je pense que ça aurait permis d'atténuer un tant soit peu. Ce n'est pas le seul problème qui aurait pu être fait, mais ça aurait pu permettre d'atténuer justement cette question d'insécurité à l'Ouest. Merci Madame Joël. Alors, le pays que vous comptez diriger à partir de janvier 2024, comment vous comptez le vendre, vendre son image à l'extérieur? Là, j'évoque la question de la diplomatie et du rayonnement. Madame, j'ai le privilège d'avoir voyagé énormément. Et des ambassades que je connais sont pour la plupart des ambassades qui sont placées dans les meilleurs coins des juridictions dans lesquelles sont installées ces ambassades. Mais dans quel état sont nos ambassades? Dans quel état se trouvent les drapeaux, ne fût-ce que les drapeaux de nos ambassades? Si vous me demandez à moi, je me dis que c'est peut-être parce que l'État est peut-être éparpillé ou n'a pas assez les moyens. Donc moi, présidente, je commencerai par rationaliser les ambassades, ne peut-être pas en avoir partout. A-t-on besoin d'avoir forcément une ambassade dans un pays avec qui nous n'avons pas une si grande et ni si importante relation bilatérale? Je vais rationaliser, mettre peut-être moins d'ambassades. Mais aussi, je vais redorer l'image de nos ambassades extérieures. On ne peut pas avoir des ambassades où on a de l'eau qui coule à l'extérieur, une peinture qui n'est pas faite, mais aussi, madame, nous allons travailler sur le personnel. Parce que si vous regardez même les derniers ambassadeurs qui sont venus apporter leur lettre de créance auprès du chef de l'État, la plupart de ces ambassadeurs sont soit des professeurs d'université, soit des chercheurs. En tout cas, ce sont des fonctionnaires chevronnés. Le problème avec nous, c'est que comme nous n'avons plus de valeur, nous prenons dans les partis politiques et on envoie le premier qui n'a eu peut-être que son premier poste de travail à la tête de l'ambassade où il est envoyé. Ceci n'est pas normal. Ce n'est pas une république des valeurs. Voilà pourquoi, lorsque je serai présidente, je placerai à la tête des ambassades des ambassadeurs qui sont des ambassadeurs de carrière. Je sais qu'il peut y avoir aussi des postes politiques. On mettra des ambassadeurs politiques à des endroits stratégiques et ailleurs. On permettra au personnel d'être formé, mais aussi de recevoir leur salaire. Vous voyez que nous revenons toujours sur la question des valeurs, sur la question du Congolais à qui on doit donner de la dignité, pour que le Congolais ne soit plus là dans les ambassades à vendre des plaques diplomatiques, qu'il ne soit plus dans les ambassades à quémander, qu'il ne soit plus dans les ambassades à tracasser la population qui vient pour payer un passeport ou pour obtenir un visa. Nous allons renforcer justement la diplomatie en lui donnant toute la noblesse qu'elle mérite. Jacques. Madame Joël, quelle sera votre politique diplomatique justement par rapport aux 9 voisins de votre pays quand vous allez accéder au pouvoir? Comment comptez-vous vivre avec les voisins? Puisque généralement, c'est cette cohabitation qui pose problème. Je pense que je l'ai évoqué d'une certaine manière dans une des précédentes questions en vous disant que nous allons démarrer par une discussion, une négociation pour pouvoir mettre le bon vivre ensemble. Vous savez que vous dites les voisins, nos frontières sont certes intangibles, mais les voisins aussi ne vont jamais bouger. Et pour les générations à venir, nous sommes appelés à vivre dans la configuration géographique telle qu'elle est aujourd'hui. Alors nous devons user de diplomatie,
Nous devons user de bon sens et mettre en avant nos valeurs, non seulement africaines. Oui, mais c'est théorique, user la diplomatie, c'est certes le théorique, bon sens. Mais il n'y a pas concrètement, de baguette magique, Madame Bilé, présidente de la République, moi, je compte vivre de telle façon avec la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie. Laissez-moi déjà arriver, commencer à prendre, c'est ce que je ferai dès que j'arrive, commencer à prendre contact avec chacun de nos voisins, chacun de cet État souverain et voisin, pour comprendre quel est le mode de fonctionnement, de relations bilatérales que nous allons avoir au sein de cette communauté à laquelle nous appartenons désormais. Madame Joël, on est en train de terminer déjà cet échange. J'ai l'impression ça va tellement vite, mais je dois vous poser cette question. Je vous en prie. Vous êtes une femme engagée en politique pour défendre tout ce que vous avez eu à nous expliquer, mais vous ne nous dites pas comment vous comptez faire la promotion de la femme, des jeunes, des personnes vulnérables. Madame Bouela, ça me choque que ce soit vous qui posiez la question de cette manière-là. J'aurais voulu que ce soit peut-être les hommes qui le disent comme ça, parce qu'on oui, ne peut pas promouvoir la promotion c'est pas des de la femme. Nous ne sommes pas un produit, madame. Nous ne sommes pas un produit. Une femme est une personne à part entière. On ne promeut pas les hommes. Il est hors de question qu'on parle de promotion pour les femmes. Et vous vous proposez la Constitution congolaise garantit la parité entre les hommes et les femmes. Maintenant, pour répondre mais à votre question... Mais vous faites la promotion des valeurs. Vous parlez je fais la d'une promotion république des valeurs, mais pas la promotion qu'on des fait femmes. La promotion... Non, je ne suis pas féministe. Je ne fais pas la promotion des femmes. Une femme, pour moi, n'est pas un produit. Une femme congolaise a toutes les compétences... Tout ce qui tourne autour d'un être humain et elle ressemble à un Congolais homme. Maintenant, ce qu'il faut faire, ou comment j'aurais voulu que vous me posiez la question, qu'allez-vous faire pour que l'équité entre l'homme et la femme soit respectée dans notre pays? Parce que pour l'instant, vous savez que la parité, même au niveau du gouvernement, même au niveau des différentes assemblées, dans les postes de décision, la parité n'est pas respectée. Sous mon mandat, je ferai respecter la Constitution. Permettre qu'à compétences égales, à valeur rencontrée, à opportunité trouvée, qu'on place une femme à cette place-là, de manière à ce que l'équité soit respectée. Je n'aime pas le mot « promotion ». Nous ne donc sommes vous, pas un produit, serez, je suis désolée, serez, madame. Serez, maintenant, dans la même question, vous me parliez aussi de jeunesse. Vous serez une présidente qui ne répondra qu'aux questions qui lui sont... aux questions auxquelles elles se sont à l'aise. Parce que quand on évoque non, viens des, de vous répondre, des expressions, madame, ça vous choque. Madame, mais je viens de vous répondre. Vous vouliez savoir ce que je vais faire. Je dis que je mettrai en place une politique qui permettra à ce que l'équité, la parité consacrée par notre Constitution soit réellement mise en œuvre. Je viens de vous le dire. Mais c'est maintenant, encore une fois abstrait. Hein, la Constitution, il y a plusieurs articles, mais vous ne nous dites pas de manière claire ce que vous comptez faire pour les femmes, pour les personnes vulnérables et pour les jeunes. Pour les personnes vulnérables, ça c'est un sujet qui me touche. Vous savez que je suis maman d'un enfant handicapé. Un enfant vivant avec handicap qui a 20 ans aujourd'hui, qui ne marche pas et qui ne parle pas, il ne peut associer que deux syllabes. C'est un enfant duquel j'ai été obligée, entre guillemets, de me séparer parce qu'il ne peut pas vivre avec nous. Vu son état, on ne peut le mettre que dans une structure. Je ne peux pas vivre avec cet enfant ici au Congo parce que malheureusement, il n'existe pas de structure pour accueillir ce type d'enfant. Donc moi, j'estime être mon enfant et moi, tous les deux, j'estime que nous sommes privilégiés. Mais je sais qu'à côté de ça, dans l'arrière-pays, à Kinshasa et partout ailleurs, il y a tellement de personnes vivant avec handicap pour lesquelles je vois qu'il n'y a pas de grosses stratégies qui sont mises en place pour eux. Il n'y en a pas dans les transports, donc une question, je réponds à réponse précise, je ferai en sorte que dans les transports en commun, il y ait le moyen de permettre la mobilité des personnes justement vivant avec handicap. Si vous voulez, dans l'éducation, au niveau de l'éducation, récemment, le candidat, ou en tout cas le chef de l'État sortant, a mis en place l'enseignement, la gratuité de l'enseignement de base. Mais ceci n'est pas valable pour les enfants handicapés. Il n'y a aucun autiste qui peut aller dans une école gratuite ici au Congo. Il n'y a aucun aveugle qui peut aller dans une école gratuite au Congo. Il n'y a aucun handicapé moteur physique qui peut se rendre dans une structure gratuitement ici au Congo. Sous mon mandat,
en tant que président, je vais m'atteler à cette question. Je vais justement promouvoir, et là je peux parler de cette manière, je vais promouvoir, je vais valoriser et je vais mettre en exergue nos compatriotes qui vivent avec handicap et qui ne demandent qu'une chose, c'est que nous les prenions en compte. Mais pour les prendre en compte, encore une fois, il faut l'identification. On doit savoir combien sont-ils à Kinshasa et dans les différentes régions pour pouvoir apporter les bonnes adresses, les bonnes réponses et les bonnes structures, de sorte à ce que nos compatriotes ne se sentent pas délaissés, oubliés ou jetés dans les oubliettes. Merci Madame Joël, cet échange est terminé, mais nous vous accordons 15 secondes pour vous adresser aux Congolais. Pourquoi doivent-ils vous voter ? Dans la langue de votre choix. Chers compatriotes, bande ko nanga na sololi ta mususu na français mingi mingi ba okanisa na loba lingala ti nazali congolaise na fandi mwa mikolo ebele na tali mboka modele ezali ko kende nzala eleki makasi insécurité etuni susu mutute kokufa ya batu ekomi neti kaka to mesana na yango na tali pe lolenge ya kita ya ekolo lolenge mboka na biso ezali na makoki ya kopesa congolais moko na moko makoki ya ko vivre to lobaka na français décemment, c'est-à-dire ya ko vivre na limemia na lokumu nyonso na moni yango ezoko kateti na lelo yango ngai Joël Bile na eliboso na bino na salinde ko na bino na botamiawa na koliawa ba parana nga bazaliawa na fandikati na bino na tambola province nyonso ya Congo ata province moko na kenango ata 6 fois ata 7 fois tina bakati nango na ebi pasi na bino. Yango wana na sengeli na bino. Bo tala misu na bino karate, epa ya bakonjo ya minene. Po pasi na biso pe Congo ezali ya kokanisake. Depuis 1960, ti lelo, kaka ba oyo ba dirija, kambula na mbula, tata, mwana, mwana, tata, mwana, tata, mobali mwasi. To tala pe. Po soki bozali kwa kopona ba oyo wana, boye bakake, po na bino batu ya musika, ba oyo bozanga bandeko ekozala pasi pona bino bokoka ya solo kozwa oto lengeli pona bino yangona nangina solo na lisolo to bengi république des valeurs. République des valeurs ezali kozwa kaka makoki otozali nango ba texto tozali nango to tie yango na misala to permettre mutu na mutu aye bake place nange ezali wapi na lolenge wana RDC na biso ekotombwama bato ali banda bako respecter biso po biso moko na kati tokofanda na bolingo tokofanda na kimia. En tout cas na remercier bino mingi pe na remercier bandeko nanga. Merci madame Joël Bile d'avoir répondu à l'invitation de ce plateau organisé par le CESAC. Nous vous remercions vous aussi qui avez suivi ce plateau réalisé avec mes confrères Jacques, Thierry et Rachel. Nous restons disponibles pour vous servir parce que nous recevrons tous les candidats et cette chaise vous attend. Vous qui êtes à Kinshasa ou à l'étranger, vous êtes candidat sur la liste des 26, cette chaise vous attend. À très vite avec le même plaisir.